Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce duel. Et aujourd'hui j'affronte Petit Biscuit, le joueur qui va jouer pas son deck héros habituel parce qu'il a peur de se prendre une branlée. Il a préféré jouer avec son deck de structure magicien. On s'est dit faut égaliser un petit peu les decks, du coup on va jouer un magicien quasiment structure face à un Umi fait par Quentin. Voilà, un deck Umi. Bon, c'est pas vraiment fait par moi en fait, c'est le deck, c'est Speed Duel amélioré pour que ce soit enfin pour qu'il soit joué. Mais en tour officiel. Bref, eh bien écoute, on n'a pas pris le point de vie, on n'a rien pris du tout là. C'est le compteur de PV. C'est ça. Oh putain. J'attendais pas. Bip, bip, bip. Bah attends, c'est quoi? Bon, on peut tac. Comme ça. Hein. Tac. Voilà. Bon, ah, t'as une nique, oui, t'inquiète. En vrai, je sais même pas si je vais les utiliser. Ok, bah vas-y, c'est parti. Je prends. Hop, le dé. On lance le dé. Et c'est un 3. Wow. Et moi, ça sera un 4. Tu choisis. Je te laisse la main. Ok, ça marche. Donc, la particularité du deck Umi, c'est d'essayer d'invoquer le plus rapidement le dragon Lévia Dédale, qui détruit tout ce qu'il y a sur le terrain, excepté lui, hein, et qui fait très très mal. Et du coup, je vais poser une carte. D'accord. Je vais poser une autre carte. D'accord. Et je vais invoquer normalement Barbotine. Et donc, son effet, c'est lorsqu'elle est invoquée normalement, je peux envoyer une Barbotine depuis mon deck au cimetière. Donc je vais prendre une Barbotine depuis mon deck et je l'envoie au cimetière. Exactement. Oui. Attends, hop. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pas besoin de. Ah, quoi, attends, c'est quoi, je vais mettre le son. Comme ça, j'aurais pas besoin de faire un montage audio. À rajouter les points de vie, tout ça. J'espère que c'est assez visible. Si jamais ça ne l'est pas, bah, je referai. Bah, on est désolé. Non, non, moi je suis pas désolé, non. J'estime que ça doit être. Je dis end phase. D'accord. Je peux peut-être me faire détruire la tronche. Je vais invoquer Fracas, le guerrier magique. Il gagne un compteur. Mais ce compteur, je peux l'utiliser, ce que je vais faire pour détruire une magie piège sur le terrain. Très bien. Là. Très bien. Alors il a 1600, j'attaque. Très bien. Donc je perds 1600. Je vais poser ceci et je dis fin de tour. Ça marche. Go. Moi je vais jouer le grand blanc. Le grand blanc. Qui a 1600 et je vais mettre Umi comme terrain. Umi. Ce qui fait qu'il gagne 200 points d'attaque. Donc à 1800, j'attaque ton fracas. Ah, j'ai perdu. Vas-y, je te laisse là. Ça marche, une phase pour moi. J'ai dit à toi. Ok. Je vais poser ceci. Je l'enlève juste bien correctement ici. Ouais. Et je vais invoquer le magicien sombre expérimenté. Chaque fois qu'une magie est activée, blablabla, il gagne un compteur. D'accord. À 1900. Je tiens. Je suis à 1800. J'attaque. C'est magicien. Ok, donc je perds 100. Putain, ça va. On est vraiment revenu à l'époque là. Là oui. Est-ce que ça fait plaisir à certains? Ouais, moi oui. Bah, dites-le en commentaire. T'as fini? Oui. Ok. Je pioche. Je pose ça. Ok. Et je pose ça. Et je dis à toi. D'accord. Et Doulou. Je vais. Je vais sacrifier, je sens que ça va sacrifier pour invoquer du lourd là, du très très lourd. Non. Non. Moi je suis pas trop blanc parce qu'avec la lumière, c'est vrai qu'on a pas vraiment envie de la lumière. Je vais poser ceci. Ok. Et je reviens juste là. Et je vais attaquer avec mon magicien sombre expérimenté. Ça marche, il a détruit le serpent sinistre. Oh là là. Il a ramassé ma face, cette carte est dans mon cimetière, je peux l'ajouter à ma main. Et aussi, je bannis le serpent sinistre depuis mon cimetière durant la prochaine phase. Mais si j'en ai pas, je ne sais pas. Si tu peux pas en bannir, du coup, bah tu ne peux pas faire ici. Ah, je sais pas. Oui, mais s'il est détruit, il va être banni, donc je sais pas. Bon, on verra bien. Vas-y, 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 regarde. Je me permets. Je peux piocher, tu as fini? Oui, c'est à toi. Ok. Très bien. Du coup,
coup, moi, je vais invoquer le destructeur du grand bleu. Ah, donc il a mis 600 et je tape la carte. D'accord. C'était le okay. Plan magique. Du coup, il est un... mais ça fait le flip. J'ai pas invoqué lui. Très bien. Voilà. Bah, je dis, il y a une phase du coup. D'accord. Merde. Oh. Il y a combien? 1600. Il a gagné 200. D'accord. C'est ça. Et il nous faudra un dé. Peux-tu aller chercher Je vais chercher ça tout de suite. Reprenons ce duel. Alors, du coup, je vais activer fragment de cupidité. Et du coup, lui, il gagne un compteur. Voilà. Ensuite, je vais poser un monstre. Et je vais attaquer avec mon magicien sombre expérimenté. Très bien. Je bloque avec le cercle envoûtant. D'accord. T'es toujours en battle phase, tu passes en même phase 2, tu fais combien? 1600. D'accord. Je vais attaquer quand même. Comme ça, il s'auto-détruit. Très bien. Hop. J'active ma carte piège, appel de la 30, il revient. Et du coup, il peut réattaquer. Ouais. C'est pute ça. Ouais, c'est vrai. Ça marche. Fin de tour. Ok, je pioche. Je pose une carte face cachée. Et je dis à toi. Ok. Je pioche, je gagne un compteur. Ok. Ok. Je vais flip le vieux magicien. Quand il est invoqué par flip, cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Je sais pas si t'as le droit. Hein. Ah si si, c'est contrôlé. Je sais pas. Bah, moi, je te dis, pour moi, contrôler, il faudrait que ça fasse avec. Non, vas-y. J'invoque normalement. Bah, en gros, tu as gagné, c'était un beau duel. Attends, peut-être pas, peut-être pas. Alors, 1006, 2050. 3650. Attends, j'ai pas encore commencé ma bataille. Ouais, non, mais je suis déjà. Je vais sacrifier Kuribo pour invoquer le mystère. Et là, c'est bon. Là, je peux attaquer. Et là, ça tue. 2000, 3006, 4002. Ah non, j'ai perdu! Ah. Attends, non, mais sérieusement, j'ai eu de la merde. Ah, ça m'aurait pas tellement sauvé. Ouais, de la j'étais loin de pouvoir avoir. Aïe. Mon erreur, ça a été d'invoquer Barbotine. J'aurais dû d'abord faire le truc avec le serpent sinistre. Je sais pas, peut-être. Mais voilà, bah, en tout cas, bien, biscuit. Oui. Tu es un bon dueliste, je te félicite. Comment a-t-il pu gagner? En fait, j'avais peur que tu puisses me contrer avec une force miroir ou quoi, et du coup, je préservais mon Kuribo au cas où. Parce que je savais pas lequel sacrifier entre. Et quand j'ai dit bien joué, tu t'es dit ouais, là c'est bon, je vais l'invoquer, je t'écale alors que. On va dire ça. Bon, en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo sympa de duel. Nous, on fait des gros bisous et on dit à très bientôt, peut-être pour un autre prochain duel avec Tim Ski, le grand dueliste. Salut à tous.